Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Et oui, les gars, le jeu continue, la hype est toujours présente. Toujours de plus en plus d'ailleurs sur le Discord aussi. Je vous en remercie. Donc, n'hésitez toujours pas à venir de plus en plus nombreux. Bien évidemment, ça fait toujours place. Ça fait toujours classe plutôt. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, tout simplement, on va parler des personnages, comment les améliorer, où est-ce qu'on farm, comment on XP, enfin bref, on va faire un petit tuto sur cette vidéo précisément. Donc comme vous pouvez le voir les gars, ici nous sommes à l'auberge, voilà, on va commencer par le début, où on pourra effectuer plein de petites tâches, comme ici on peut laver la table, qui va nous faire gagner par exemple des points sur Meliodas. Point d'ailleurs au passage que je ne sais encore toujours pas à quoi ça sert. Il y a encore plein de trucs les gars, donc je pourrais pas vous dire forcément tout encore à quoi ça sert. Ici quand on mange, on va gagner par exemple en mangeant cette chose. Voilà, on va gagner en fait un pourcentage d'HP plus 10%. Et ça va durer dans le temps pendant un certain temps, qui est logique. Et comme vous pouvez le voir, voilà, là j'ai des bonus. Donc là ça dure peut-être pendant une heure, je ne sais pas trop combien de temps ça dure. Enfin bref, il y a une petite durée là-dessus. Après on peut cuisiner avec Ban, enfin bref, regagner des choses. Elisabeth qui tous les jours d'ailleurs nous donne des petits cadeaux, on est très très content de ce qu'on peut recevoir de temps en temps, hein, c'est bien. D'ailleurs demain je pense que je gagne un ticket, donc ça va être plutôt cool. Et des diamants bien évidemment. Pas mal de petits cadeaux. La Diane qui nous permettra tout simplement de démanteler de l'équipement. Comme vous pouvez le voir, par exemple ici je peux démanteler cette chose et gagner deux petits points de... A mon avis, ça va être sûrement pour créer des armes ou des choses comme ça. Donc forcément, qui dit démanteler avec tous ces fragments, à mon avis, on pourra créer des choses que je ne sais pas encore quoi, mais ça va être certain. Après, quand vous allez avancer dans l'histoire, les gars, comme vous pourrez le voir ici, j'ai débloqué le magnifique King. Voilà, le King SSR, le bleu, qui est très intéressant. Du coup, je l'ai... Enfin, il est plutôt indispensable pour ma team. Et je peux comboter en duo avec lui, avec Diane. Et ça, c'est cool, parce que lui, il combote avec la Diane SSR. Donc ça, c'est très cool. Je suis refait à ce niveau-là. Et lui nous permettra tout simplement... J'ai envie de vous dire... Alors, regardez, ça va être ici. D'avancer un petit peu dans l'amélioration de nos personnages. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les livres... ici présents, servent tout simplement à évoluer le personnage, par exemple, de SR à SSR et de SSR à UR. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, on a des sortes de Graal. Voilà. Et en fait, c'est des choses... Enfin, ces items, on pourra les farmer tout simplement dans le boss, dans les événements de boss. Et ça nous permettra d'augmenter encore plus les stats de personnages que je vous montrerai après. Et ces items-là, bon, là, forcément, tout ce qui est de l'XP... Donc ça peut vous permettre d'augmenter toutes ces choses, enfin les premiers niveaux en supérieur. Donc ça c'est mieux pour gagner plus d'XP. Et là on a des petits fragments que je ne sais pas encore à quoi ça sert. On verra plus tard, à mon avis il y a plein de trucs qu'on verra en fur et à mesure en évoluant. Pareil pour la Diane, tout ce qu'elle nous fait à mon avis démanteler pour les constructions et tout ça on verra plus tard. C'est encore un peu tôt à mon avis de voir vraiment comment tout ça fonctionne. Deuxième partie, oui, on va voir tout ce qui est des quêtes. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur la première partie ici, on a tout ce qui est quête des villageois, on va dire en quelque sorte. Donc là, par exemple, sur le premier village où on est, j'ai 6 quêtes. Donc je vous conseille quand même de prendre toutes les quêtes si jamais vous en réussissez quelques-unes entre deux. Et avec toutes ces quêtes, vous voyez que là, il y a un pourcentage. Et si j'ai fini, par exemple, toutes les quêtes de ce village-là, je gagnerai 30 diamants. Donc une multi en soi, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Et c'est pas tout, parce que du coup, ça fait partout. Vous voyez là, 21%, là on a 45. Donc à chaque village que vous allez débloquer au fur et à mesure dans l'histoire, vous pourrez gagner une multi en complétant les quêtes. Et même en complétant les quêtes, vous pourrez gagner des tickets, donc là qui vous permettront aussi d'invoquer dans les portails, ainsi que des diamants. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. D'ailleurs, les petits coffres ici... Pour ceux qui se posent la question, c'est dans l'inventaire et vous pouvez les vendre, ça donne des golds. Voilà, c'est tout simplement des trucs à vendre qui donnent des golds. Que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir assez farmé dans l'événement précédent qui m'aurait permis vraiment de me mettre trop bien à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier. Le deuxième onglet, c'est on va dire à peu près pareil. Il faut compléter des petites missions qui vont vous faire gagner par exemple ici des GM. Elle va me faire gagner encore des fragments de ça. Et des coupes, etc. Là, pas plus. Donc ça, c'est du tableau. C'est ce que vous retrouvez dans l'auberge. C'est l'émission du tableau.
Ok, la petite mission que j'ai toujours pas réussi à finir, je ne sais exactement pas ce qu'il faut faire pour la finir. Mais du coup, je peux me gagner. Oups, j'aurais pas dû faire ça. Non, maman Hawk, non! Arrête de t'en aller, s'il te plaît, c'est le fail de la vidéo. Enfin bref, du coup, Hawk qui va nous permettre, à la fin de sa mission, de gagner 5 diamants, ce qui est quand même énorme pour une mission, je trouve. Donc, moi, je trouve ça pas négligeable. Faut vraiment que je trouve la solution. C'est la mission avec la grand-mère. Je ne vois absolument pas ce qu'il faut faire pour la finir, celle-là. Enfin bref, c'est pas très grave. On va arrêter les mouvements de Meliodas. Arrête de bouger! Merci. On n'a pas fini. On n'a pas fini de discuter. Voilà. Donc là, l'émission de Hawk. On a l'émission ensuite de Diane. Bon, ça c'est complété. L'émission de Ban. Donc là, comme vous pouvez voir, donc ça c'est l'émission principalement de King. Qui permettra par exemple d'évoluer le SR Ban en SSR. D'ailleurs, très bon ce Ban. Je vous conseille de le monter. Bon, moi déjà, qui ai le Ban bleu, ça me fait un peu chier. Mais bon, tant pis. Et puis forcément, des autres personnages. En dernier, on a d'autres missions. Donc je sais pas trop exactement comment fonctionne cela, je crois c'est en vendant, en montant des personnages, enfin bref, des trucs assez quotidiennement à faire. Et du coup vous pourrez gagner forcément des cristaux. Donc là ça m'est arrivé par exemple deux fois de compléter toutes ces missions et de gagner à peu près 20 diamants. Et vous pouvez aussi gagner ces chaussures-là qui vous permettent tout simplement de gagner de la paix pour partir de plus en plus en mission. Et franchement au début, bah actuellement jusqu'au level 13, j'ai pas tellement bugué pour monter, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc là, du coup, les quêtes événements. Du coup, voilà, on va faire OK, on va quitter. Je pense que c'était quand même plutôt bien de vous montrer à peu près les quêtes. Et comme je vous dis, je vous fais encore cette vidéo à peu près, parce que il y a des trucs forcément qu'on sait pas tous encore. Et vu le peu de temps de farm que j'ai eu, c'est pas évident non plus. Et pour ceux qui se demandaient l'émulateur, bah c'est BlueStacks, voilà, je vous le dis. Et forcément, je lui ai mis un petit peu de RAM pour pouvoir jouer au jeu. Pour essayer de pas laguer. Là, cette fois, j'espère que sur mon prochain live, je ne laguerai pas. J'ai augmenté un peu la puissance sur l'émulateur. Donc voilà, j'espère que ça rendra beaucoup mieux. Aussi, les gars, n'oubliez pas, vous avez des invocations accessoires. Il faut vraiment les faire. C'est très important. Il faut aller dans le shop. Et c'est ce Meliodas ici qui vous permettront, donc tous les jours, hop, de faire cette petite invocation qui peut vous permettre de gagner du bon équipement. Pour l'instant, moi, j'ai eu que de la merde, mais ça peut être vraiment bien. Et pareil, tous les jours, vous avez une single à un diamant qui pop. N'hésitez pas à la faire, c'est pas non plus coûteux as fuck, donc faut pas hésiter. D'ailleurs, ah oui, en fonction des SSR doublons, je crois qu'on peut gagner des SSR, donc pourquoi pas, ça c'est cool aussi. Enfin bref, voilà, petit tuto à ce niveau-là. Ensuite, on va parler plus dans la catégorie des personnages, bien évidemment. Donc, on va prendre notre cher Ban, que j'ai pas fini de monter d'ailleurs. Donc là, on va. Enfin, je partirai en mission après cette vidéo plutôt. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'interface du jeu, encore un peu plus en profondeur que ce ne l'était dans la vidéo d'avant. Donc là, bien évidemment, on peut upper les personnages avec les petites potions d'XP qu'on a vues, les popos. Donc ça, c'est assez classique. Ensuite, là, eh ben voilà, les petits bouquins, comme vous pouvez voir, ceux qui se demandaient, et les médailles qui vous permettent tout simplement de monter les personnages SSR. Et de ce que m'a dit mon ami Pandragon, les SR sont plus faciles à monter actuellement que les SSR parce que je vais vous montrer, les matériaux qu'on nous demande en SSR pour évoluer les personnages UR sont très compliqués. Hop, ici. Voilà, donc pour vous dire, ceux-là sont très rares à avoir, c'est vraiment des médailles pas faciles. Et les livres aussi, hein. Franchement, les avoir ceux-là, il faut monter très haut en fait, il faut avoir une dîme déjà très forte pour monter en événement et pouvoir gagner justement ce type de matériaux. Donc c'est pas facile non plus, donc monter les SR au début, c'est pas de la merde, voilà, clairement. Et il nous a expliqué aussi, j'en profite, hein. Merci à toi en tout cas, Pandalague, si c'est le cas, en tout cas. Comme vous pouvez voir ici, on a des personnages présents, on nous dit qu'on a 1% de top drop de SSR. Et en fait, il s'avère peut-être que ces personnages soient tous des SR. Qu'en fait, là, on aurait les versions UR de chaque personnage. Il nous a montré, par exemple, Pendragon a drop un Dreyfus SR. Et il a monté SSR et il nous a montré en UR à peu près ce que ça pourrait donner. Et c'est exactement cette forme-là de Dreyfus. Donc, on peut espérer que ça soit des SR, en fait, qu'on monte tout simplement UR à l'avenir. Donc voilà, pourquoi pas. C'est juste qu'en fait, SSR, peut-être que ça nous donne un peu moins de temps. En quelque sorte, pour les monter, c'est peut-être un peu plus simple. Mais bon, en tout cas, c'est pas non plus pour autant que c'est worse. Bref, voilà, c'était la petite aparté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va prendre le ban. Ici, bah voilà, comme je vous disais, les petites coupes qui nous permettent tout simplement
d'augmenter encore plus les stats du personnage. Donc ça c'est très intéressant, on peut augmenter encore plus 1800 HP, c'est pas négligeable. Plus 2% sûrement de dégâts, enfin bref, ou de la défense, des trucs dans le genre. Et si, là, bah justement, les gars, je me pose des questions. On a par exemple des épingles ou des trucs comme ça. Je me demande si c'est des choses qu'on pourrait pas craft avec les fragments de ce qu'on donnait à Diane tout à l'heure. Ici, on a l'aspect. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous faudrait des doublons du ban pour pouvoir la faire. Et ce qui est assez sympa avec ce ban au final, vu que c'est un SR, eh ben, il nous suffirait tout simplement de gagner des doublons du SR pour pouvoir augmenter l'aspect. Et je peux vous dire que, comme vous pouvez le voir là, 700%, vous y dire, bon, actuellement les SSR font un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore incroyable. Mais avec des doublons du SR, bah vous voyez, 770%, on est level 1, le temps de monter au-dessus, autant vous dire que ça va commencer à taper sévère, quoi. Le personnage va taper très très fort. Ensuite, ici, on a la partie accessoire. N'hésitez pas à monter vos personnages, voilà, ça leur donne des stats HP, attaque, défense, enfin bref, tout en plus, très important. Et ici, on a tout simplement la petite boutique lingerie. Bon, je vous conseille pas, c'est super classe quand même, mais faut payer genre 10 fragments, 20 fragments, diamants plutôt. Donc c'est pas top, on veut pas trop faire ça. Voilà, c'était à peu près pour la partie personnage. Maintenant, comment les farmer tout ça? C'est simple, il suffit d'aller dans les doubles IP ici. Donc là, on a la première partie qui est tout simplement les trucs événements, les missions événements. Donc, je vous conseille de les faire. Donc tous les jours, on pourra gagner 2 gemmes là. Je sais pas trop comment encore ça fonctionne, quelles sont les missions à compléter pour celui-là. Donc là, par exemple, pour celui-là, bah justement, que je pourrais faire pour gagner, pour compléter plus mes missions à côté. Donc là, par exemple, Hard x20, vous voyez, je peux gagner 2 grosses potions. Donc là, ça me permettrait de monter les persos assez facilement. De toute façon, c'est simple, les gars. Dans un mois, si on continue à jouer comme des tards, on va être OP sur le jeu, hein. Clairement, ça va être facile après de monter les personnages, on n'aura pas trop de problèmes. C'est vraiment le début que c'est dur, mais après on pourra augmenter vraiment facilement, c'est pas un problème. Donc là, c'est des missions forcément qu'on peut compléter. Voilà, donc là aussi, c'est des missions de quête, enfin, c'est que des missions de quête. Hop, bah d'ailleurs, ça va nous amener là où je voulais aller. Voilà. Donc ici, tout simplement, donc là par exemple, on a les premières missions. Ceci se débloque une fois par jour. Vous les débloquerez au début du jeu, vous l'aurez pas. Il faudra augmenter un peu plus dans les levels, enfin dans les modes histoire plutôt pour les débloquer normalement. Et du coup, une fois par jour, vous pourrez faire 3 missions là-dedans. Donc ça va être de l'XP ou du bouquin pour augmenter les personnages. Donc n'hésitez pas à les faire, c'est très important et c'est un peu plus facile en quelque sorte de gagner des choses intéressantes. Ici, on a donc les popos d'XP. Donc ça, faut pas hésiter non plus à farmer. Voilà, pour ça c'est classique. Donc popo d'XP pour augmenter vos personnages. Ici c'est pareil, on a tout ce qui est par rapport à l'équipement, enfin passer un rang au-dessus sur les personnages, donc SSRUR. Donc là c'est pareil, donc là rouge, donc pourquoi pas le ban SR actuellement. Et tous les jours ça va changer. Donc là par exemple, hier on était vert, aujourd'hui on est rouge jusqu'à demain 17h à peu près. Et après 17h, bah on va passer au bleu. Et bleu, moi ça m'intéresse parce que j'ai pas mal de personnages bleus à monter. Donc ça c'est cool. Donc j'ai hâte d'être demain. Et ensuite on a cet événement là. Donc là apparemment faudra attendre. Ah bah tiens, on était à 12, là on est passé à 11. Bon apparemment ça doit être peut-être dans 2 jours. Enfin je sais pas trop comment c'est, ça doit être 2 jours d'écart. Bref, vous pourrez farmer ces équipements là en montant. Et comme je vous disais, c'est l'équipement que vous pourrez vendre. Alors, est-ce que je vais me rappeler à peu près où est-ce qu'on peut vendre ces choses? Ça, telle est la question. Donc là, ouais, on a toute la boutique d'échange. Donc là, en général, vous allez gagner pas mal de SR. Voilà, par exemple, ici, je peux acheter pas mal de trucs. Donc là, par exemple, cela pour farmer un peu plus. Mais bon, c'est pas trop intéressant pour l'instant. Donc je vais garder. Tiens, d'ailleurs. Donc là, c'est les points amis qu'on pourrait utiliser. Donc je vous conseille aussi de les garder au début pour pouvoir partir en mission avec des mecs qui ont des Meliodas level 50, c'est toujours utile, pas se mentir. Tous ceux qui n'ont pas compris pour le fast reroll, franchement, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un reroll, c'est tout simplement recommencer un compte à zéro. Voilà, on va faire dans les guillemets, j'ai pas trop envie d'expliquer parce que c'est un peu relou. Pour vous ajouter en ami, c'est ici. Voilà, donc là j'ai rajouté des amis. Là il y a mon code ami pour ceux qui veulent me add. Il suffit d'entrer ici le code ami de la personne pour l'ajouter. Ainsi de suite. Donc voilà. Bref, ici il y a les gens qui veulent m'ajouter. On va rajouter le rang 12. Rang 2, je me dis que c'est un mec qui a pas envie de jouer. Voilà. Je vous disais, ouais, je voulais vraiment trouver l'endroit. Donc là, gemme cadeau.
Ah, je sais pas où c'est. Je sais plus où c'est. Il y a des endroits, je sais plus où c'est. Bon, oh, d'accord. C'est pas très grave. Bref, voilà, les gars. C'était tout simplement pour montrer ça. Ah oui, je voulais montrer où est-ce qu'on pouvait vendre ça. Oh là là, je sais plus où c'est exactement. Ah bah tiens, je crois que c'est là. Je suis con. Voilà, donc c'est ici. Là, par exemple, c'est. Hop, on va vendre. Max. Hop là, je me fais 8000. Bon, c'est pas grand-chose. En général, on sait un peu plus. Je sais pas si on peut... ça se vend aussi, tous ces trucs-là. Ou alors, c'est de l'XP. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Je vais pas les vendre, ceux-là, pour l'instant. Enfin bref, ici vous voyez un peu tout ce qui est dans votre inventaire. Voilà les gars, je pense que du coup pour cette première vidéo tuto, c'est plutôt voilà complet. Hein. Je pense qu'on a fait déjà un petit tour. On va faire plusieurs parties, je pense, une deuxième vidéo après, qui à mon avis me laissera plus de temps pour avancer dans le jeu, donc compléter les informations que j'ai pas réussi dans cette première vidéo, hein, clairement. Surtout par rapport à la Diane, donc on va voir, je vais monter un peu plus en level et voir à peu près ce que ça donne. Mais en tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Honnêtement, je me fais plaisir. Plus je joue, plus je kiffe le jeu. Ça faisait très longtemps. Au début j'étais content, mais sans plus. Et plus je joue, plus j'apprécie le gameplay. C'est sympa, c'est beau, c'est fun à jouer, c'est pas chiant. Franchement, il y a plein de trucs à faire. Il y a tellement de trucs à faire en fait, c'est bizarre. Après avoir. Puis on est qu'au début, hein. Après on va débloquer. Donc là par exemple j'ai débloqué la partie boss. Vous voyez là c'est en fonction de tous les villages que vous débloquez. Et là bah, justement on gagne les fameux coupes là. Et des équipements forcément. Donc ça devient. Et en fonction forcément des levels il va falloir monter up. Donc ça c'est cool. Et j'étais content de voir aussi qu'on a une deuxième partie boss. J'ai hâte de voir. Le PVP apparemment qu'on débloque à la fin du chapitre 4. Donc faudra aussi avancer dans le mode histoire. Comme vous pouvez avoir le king dans le mode histoire. Donc avancez le mode histoire, franchement très important. N'hésitez pas à rusher le mode histoire tout simplement et monter vos persos en même temps. Et après vous serez un peu tranquille, il y aura beaucoup de contenu après avec le PVP qui sera débloqué. Donc ça va être bien. Enfin bref, voilà les gars, on termine cette vidéo ici. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, lâcher le petit like, ça fait plaisir. Participez au petit uTip aussi, pourquoi pas. Et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.